Là, ça vient marcher. Au moins 2 minutes. Si on drop son armure encore, là, je gagne 2 armures sur ce mec. Oh my god. Ah non, moi, je te joue sur un gars, t'es vous. Non, il y a pas. Il est dans une porte, les gars, je sais pas où il y a. Oh j'ai gagné son. Oh wesh les mouches, c'est Geekat, on se retrouve pour une petite vidéo sur Cinacraft. Alors bon, j'en vois déjà me dire pourquoi sur Cinacraft, c'est très simple, ils ont fait une match récemment, une match Noël, bon en fait j'avais un petit bout de temps, mais bon, puisque je suis un flemmard, je plonge seulement maintenant, et puis du coup, je vais leur donner un petit coup de main sur leur pub, bah du coup voilà. Donc pour tous ceux qui ont livré Cinacraft, bah en gros, ils ont fait 2-3 petites nouveautés, donc vraiment, il y a le slash Noël qui rajoute des quêtes bonus, et puis le slash calendrier hein, qui rajoute quelques effets, c'est comme un calendrier de l'avant quoi, donc tu peux obtenir un paquet d'items, donc moi j'ai ouvert jusqu'au 13, enfin je m'étais pas court depuis un petit moment, et puis voilà, ça donne un paquet d'items, et puis dernière chose que les joueurs vont adorer, je trouve, c'est qu'ils ont motivé le PVP. Maintenant ça se joue beaucoup plus au drop qu'avant. Je suis pas allé le tester, mais du coup je vais sûrement aller le tester après ce record là et voir si j'aime bien. Bref, comme vous avez vu le titre et la mini, on se retrouve pour une vidéo malade les gars. C'est la première fois que ça m'arrive dans, le MC game. Le gars, bah, je vais pas vous spoiler en fait. Vous avez vu la mini, vous devez sûrement comprendre, mais je vais vous laisser la vidéo, ça va être parfait. Sinon comme à chaque fois qu'on coûte 750 PB, donc pour participer, faut liker, s'abonner et puis commenter vos pseudos sur Cinacraft. Résultat de la prochaine vidéo, d'ailleurs, résultat du dernier concours pour le dernier gagnant qui a gagné le grade aussi. Bim, GG à toi ou les 750 PB, hein, donc contacte-moi sur Discord, c'est en description, et puis je te donnerai ton lot. Bref, sinon je suis très content parce que je commence mes vacances, ben, quand vous allez voir ce record là, aujourd'hui, donc voilà, je commence les vacances aujourd'hui, et puis du coup je serai un petit peu plus actif sur YouTube, pas tellement, je vais continuer à faire pas 3 vidéos par semaine, mais du coup en plus il y a plein de serveurs qui ouvrent en ce moment, dont je suis en Alcazia, Vanadia, tout ça, ben Vanadia pas encore annoncé, bref, il y a plein de serveurs qui ouvrent en ce moment, et puis aujourd'hui je vais faire une petite présentation très courte d'Obscure Fight, donc vraiment les gars ça va prendre 3 minutes max, du coup c'est juste après cette séquence là, et puis après ça ça va être la vidéo normale, le PVP, etc. En bref, moi je vous laisse, c'était Kitkat, je vous laisse la petite présentation très rapide, et puis on se retrouve juste après. Allez, ciao ciao les mecs. Ouais les mecs, du coup on se retrouve pour la petite présentation d'Obscure Fight. Donc premièrement, toutes les infos sont en desk comme à chaque fois, donc leur Discord, leur site, leur Twitter, etc. Tout ça c'est en desk. Ensuite je vais gagner un petit concours en fait pour leur ouverture. Donc pour tous les intéressés, je vais gagner 1000 PB, donc 10 euros. Donc pour participer, c'est très simple, faut liker, s'abonner et puis commenter. Et dans votre commentaire, vous écrivez Obscure Fight. Comme ça je sais que c'est un concours ici, et pas pour le concours de Cinacraft. En plus 1000 PB, ben, c'est parfait pour commencer le serveur, donc oubliez pas de participer, liker, s'abonner et puis commenter les mecs. Ensuite pour l'ouverture, ben, c'est ce samedi à 14h. À faire, donc clairement ben, demain, donc si vous êtes intéressé à venir juste savoir, ben, comme j'ai dit, toutes les infos sont en desk, donc on va commencer direct par la présentation. Je vais essayer de me dépêcher le plus possible parce que je veux pas que ça prenne 3 ans, genre des infos de même comme l'armure, vous êtes pas con, vous savez qu'il y a une nouvelle armure, fait que je vais pas passer 3 ans là-dessus. Ici des baies qui se revendent au shop, et puis ça, la baie obscure, en fait, quand vous la bouffez, vous pouvez aussi la revendre au shop, mais ça vous donne un effet aléatoire pendant 30 secondes, fait que ça peut être bien comme Resist Fire, ça peut être de la merde comme poison, ou ça peut être hyper bien comme genre résistance, du coup, ben, ça peut être un guess, c'est à vous. Si vous avez de la chance ou pas. Ensuite, si, même chose dans la version, en gros, quand vous posez un uniforme dans un biome, bah, vous pouvez en trouver dans un biome marais, mais quand vous en posez, vous avez soit la chance d'avoir une fleur de lotus qui se revend au shop, ou sinon, vous avez une chance d'avoir une fleur obscure, et puis ça, quand vous la cassez, vous avez 7% de chance d'obtenir une pépite d'obscurium, ou voilà, je vous l'ai montré, obscurial, je pense que ça s'appelle. Ensuite, pour tout ce qui est défense de base, donc le Hellblock, quand on met du pétrole avec de la lave, ça se transforme en Hellblock, donc Hellblock, ça se pète à 10 coups de TNT, alors que le psy normal est à 5 coups, et puis le pétrole, ça se trouve en minant. Ensuite, ici, l'obsidien renforcé, voici le craft, et puis du coup, ça pète à 7 coups. Ici, un nouveau minerai, pas minable, mais craftable, donc pour crafter le lingot de farm, donc vous pouvez crafter un paquet d'items, donc la farm tool pour replanter, pour farmer en fait les citrouilles pastèques, je veux dire. Ensuite, les pits farm pour one-shot les mobs, le stuff de farm, etc. Ça donne, en fait, il y a un paquet de trucs de farm, quoi. Ensuite, ici, 3 autres outils, donc un hammer qui mine 3x3, une pioche pour miner dans les claims ennemis, mais seulement un bloc, et puis aussi un outil qui permet de récolter automatiquement dans son inventaire les carottes, patates, etc. Ici, un nouveau casque qui s'appelle le casque anti-stade. Donc quand vous le mettez, ça permet de pas boire vos pseudos, donc en PVP ça peut être parfait. Sinon ici, les pattes de loup comme la dernière version, ça permet de donner tous les effets. Et puis sinon vous pouvez aussi crafter le gâteau obscur qui permet ben, de combiner un petit peu tous les effets. Ensuite ici, deux outils légendaires qui se craftent avec des Nether Star légendaires. Le craft est juste là, et puis du coup il y a l'âge de combat, l'épée la plus chier du serveur, et puis l'arc légendaire qui permet de donner des effets de debuff aux ennemis. Ensuite trois machines assez OP, donc le fly block, l'accélérateur d'agriculture, et puis la sel machine. Donc tout est écrit juste là, sinon je vous passe vite fait les autres nouveautés, donc pas la peine de
prendre des sorts, c'est des bottes de speed. Ici, c'est la caméra dans le climb nous permet de voir. Ça, c'est malade, par contre, je vais vous le montrer. En gros, c'est simple, vous posez ça dans vos climbs et puis ça vous permet de savoir quand il y a des ennemis dans vos climbs, ça va vous le dire. Donc, c'est quand même assez OP. Et puis, ici, pour crafter la popo de nos falls et puis une des nouvelles arcs. Donc, voilà, c'est parfait. Ensuite, c'est un autre ajout intéressant, c'est le livre de food. Donc, encore une nouvelle enchante qui permet de pas perdre de bouffe. Donc, ça peut être quand même assez intéressant, surtout pour les gens qui sont pas gradés. Et puis, ensuite, voilà, 2-3 infos. Donc, random ore, des échelles, un truc qui permet de stacker l'XP, etc. Donc, c'est comme un bottle XP. Bref, moi j'ai fait le tour. Donc, voilà. Donc, si vous êtes intéressé, comme j'ai dit au début du record, toutes les infos sont en desk. Donc, voilà. Moi, je vais peut-être passer sur le serveur, je suis pas certain encore. Je vais voir. Et puis, sinon, ben voilà. Donc, oubliez pas le petit concours. Et puis, moi, je vous laisse avec les vidéos sur la craft. C'est KitKat. Et puis, ciao, ciao, les mecs. Il a pris un chat, les gars, il est là-bas. Z Watson. Tu vois KitKat, si vous voulez. Je vois pas. Oui, Deathflow Hunter, je t'en supplie. Deathflow Hunter. Capricorn. Et sur combien de coups? 2. Oh putain. Bah, on peut tous revenir en gros, t'inquiète, on est vite. Bah, je suis dans son AP, c'est vraiment de la grosse merde. Mais tu te fais 2-1? Bon, enfin, je pense pas assez de 2-1 comment ils sont. Non, il est tout seul là, mais je suis dans un trou, genre y'a qu'une porte pour back. Oh, ok, c'est toi qui as volé KitKat ou autre truc, je crois que c'était lui. Mais du coup, il était un peu lentard, je pense. Salut, poteau. Dommage, c'est couche sans gros, c'est easy avec. Je reste devant la porte, Ah mais c'est bon, il a perdu, il me voit je crois. Enfin il me tape, c'est bon. Non, le truc est là, fuck off. Puis un petit punch, j'essaie de cobber pour pas que... Non... Bientôt. Ah, c'est comme... T'es bon, vas-y, comme tu fais une punch, parce que moi je suis bon. Non, j'arrive. Ça pue. Pas du tout, raté. Là, ça a bien marché. Au moins 2 minutes. Le truc c'est que je sais pas ce qu'il y a en haut en fait. Oh bon, ah si c'est pas pris. Si j'ai as mais... Ah, ok c'est parce qu'il te sert un mec à lui. Vas-y comme tes pièces. Bien joué. J'entends un poison. Oh non. Oh le bâtard. Salut poteau. Tu comprends pas comment ça se fait que je suis là hein. Eh bah ouais, malheureux hein. Il a pas de nofoul, je rigole. Non. Non, il est déjà, été. Ok, ouais. Bouge pas. Eh, hey, mais anti-punch aussi. Ils sont 6 en non, fait. Non, je pense que c'est moi qui t'as anti-punch. Je t'ai dit anti-punch là. Je sais pas, mais Chris PVP. Bah, tu m'as plus mis moi que lui quoi. Mais... Ouais, y'a Chris PVP là. Non. J'ai pris un coup gros, ça m'a. Oh, il a crash quoi. Non. Ah non, il s'est peut-être TPS. Ouais, voilà, mettez-vous tout le temps devant lui comme ça, ça c'est parfait ça. La TPS, c'est pas tu la TPS. Après, tu. Ok. Ouais, c'est TP sans doute. S'il meurt là-dedans, bon, je rigole. 5. Bon, voilà, parfait. Oh. Pas parfait du tout. Dégage. Non, oh, y'a trop. Non. C'est bon, non. C'est bon. Oui. Non, putain. Non, il m'a cobé fa, faites attention, les gars. Il crache. Go, 3. 2, 1, non, drop. Non, les gars, non. Casque. T'es qui, toi? C'est bon, allô. Là, j'ai une derrière full webcam dans un AP. Mais c'est pas un AP ça, c'est quoi ce truc? C'est bon, c'est bon, on est ici, ça c'est comme. Ils vont être devant ça. La porte, voilà. Il y a des hoopers en dessous, il y a carrément des hoopers. Ouais. Il faut se débloquer. Regarde le c'est random là. Oh, les gars, vous êtes sales. Regardez, c'est random, gros. Allo? Oh, mon underpair là, il a plus du cul. Ouais, c'est underpair là. Ah, y'en a un qui s'est enfermé, clairement. Ouais, c'est une caméra. Bon, on peut pas spam parler de lui? Je pense, si. Mais bougez! What? Mais il voit qu'est-ce qu'il fait? Bah, je pense qu'il est sorti du trou. Mais c'est bon? Je suis toujours avec lui, moi! Comment t'as fait pour entrer là-dedans? Je sais pas, j'ai pas suivi, il s'est enfermé dans des portes. Je suis là. Mais qu'est-ce que. Mais pourquoi tu me vois dans un over? Je suis au full volcan! Mais il est vachement con lui, il va drop! Ah, à moins qu'il vienne pour une bombe cheat, j'ai pas vu. Il est encore en PVP, les gars? Y'a personne en fait. Ah non, moi je te joue sur un gars, t'es bien vous. Non, y'a back. Y'a dans une porte, les gars, je sais pas où y'a. Oh quoi? J'ai gagné son. J'ai gagné son armor, j'ai eu son armor. Il a drop? Non, pire! Attends. Il a mis un item frame, pis ce con il a mis son propre armor, pis le récup, c'est moi qui le récup. Viens, je te le donne. J'attends qu'il revienne dans son AP, je vais le full focus. Attends, je veux qu'il vienne. Viens ici mon bébé. Voilà t'es un fils de pute. C'est bon. Oh y'a un mec qui me farm wesh. Kekabin t'as ton titre de vidéo. Oh oui. Attends que les gauches on est d'accord que les gauches sur une time frame mais je vais pas le mettre mon épée.
Ah, clic gauche, sinon non, clic gauche, non. Déjà, technique time frame, je pense c'est pas autorisé. Hein. Y a, les gars, non, c'est pas dans les AP. Normalement, c'est sans tech dans les AP normalement. Bah, je l'ai fait ban et je garde son hammer. Ah, t'as eu un hammer. Ouais, c'est moi qui ai. Ouais, mais en fait, je comprenais pas. Je pensais que j'avais mis mon hammer, fait que j'ai commencé à paniquer. Je vois mon affaire, je vois un autre hammer, je suis comme, attends, qu'est-ce que ça fait là? Non. J'ai un pekataxi sur moi. Dans la t'es capable de kill, non? Bah, c'est Mir. Ben, attends, je me TP à toi. Vas-y. Vous êtes sur un deux là ou pas? Il y a deux mecs, il y a deux mecs. Derrière, ouais. Non, il y a deux mecs. Non, il y a plus, j'ai manqué. Ben, t'as vu. Il y a deux mecs, un hein, je suis avec lui. Si tu me back, tu peux me faire, c'est nos clés. De toute façon, je suis obligé de bouffer non, PC. Est-ce que j'ai deux mecs? Je peux pas, je suis avec lui. Bah, il va falloir le bannir, il est bloqué là. What, t'as TP? Oh, c'est Zorkill. C'est toi, Will. Non, c'était moi. Ah, ouais, quelqu'un qui a Zorkill et tout. Non, il y a Will, il est là. Will, je peux plus. Arrêtez de fight, venez chez nous. C'est bon. Ouais, tu peux plus. Mais non, on reste là. Putain, non, c'est moi, y'a back. Y'a back. Ouais, faux. Merde. Le vois, j'ai avec lui. Tu me vois en Destiny, je suis avec lui là. Va en haut, ouais, va en haut si tu veux. Je peux pas, bah en fait je suis au-dessus mais. C'est chaud. Moi aussi j'ai plus beaucoup de perles sur le problème, il m'en reste 8 littéralement. Mais je pense qu'il y a plus de perles non plus. Il a plus de bonne shit hein. Il y a plus de casque, bah il a retiré son casque pour pas prendre de dura. Je vais full le CC même pour ça, gros. Ouais, si on drop son armure encore là, je gagne 2 armures sur ce mec, oh my god. Puis heureusement j'ai pris des bonbons, c'est juste avant. Mais je pense qu'il y a plus de perles hein. Il fait rien là. Il bouge plus puis il attend. Ça serait bien. Il attend son sort. Vous êtes dans un sur? Ouais.